halal, c'est un concept musulman qui veut dire pur et pureté et ce qui est autorisé pour le musulman. Ça englobe tous les actes de la vie quotidienne, mais ce à quoi nous nous intéressons plus particulièrement, c'est l'abattage des animaux. L'abattage halal nécessite trois conditions. Premièrement, que l'animal ne soit pas étourdi avant d'être saigné, qu'il soit saigné par un égorgement large qui sectionne toutes les structures de la gorge, trachée et œsophage, et que l'animal soit tourné vers la Mecque en prononçant une formule coranique, nécessairement donc par un musulman. L'œsophage et la trachée sont à côté l'un de l'autre dans le cou, et que la section de l'œsophage, qui n'est pas ligaturée, alors que dans l'abattage classique on le ligature, fait que il y a des régurgitations gastriques qui viennent souiller la plaie. Alors, les risques du halal sont des risques sanitaires absolument énormes qui contreviennent au principe de précaution. C'est-à-dire que la réglementation actuelle impose, lors de la saignée, d'épargner la trachée et l'œsophage pour des raisons d'hygiène. Et un vétérinaire qui se trouverait devant un animal abattu de façon halal et qui ne serait pas couvert par les dérogations pour abattage rituel serait dans l'obligation de saisir l'animal et la carcasse. Or là, non seulement il n'est pas saisi, mais il est mis dans le circuit général. L'animal n'étant pas étourdi, peut mettre jusqu'à un quart d'heure à mourir de façon définitive et c'est lié au fait que le cerveau continue à être irrigué par les artères vertébrales. En ce qui concerne l'abattage moderne, que je qualifierais moderne, l'animal est étourdi avant d'être saigné. Ensuite, il est saigné par une toute petite incision qui va chercher juste les vaisseaux sanguins et non pas, on ne sectionne ni la trachée ni l'œsophage. Et de toute façon, une fois que l'animal est mort, on ligature tout de suite l'œsophage pour éviter que lors des opérations qui vont suivre, il n'y ait une quelconque souillure de la carcasse. Oui, alors nous sommes d'autant plus trompés que tous les responsables politiques ont toujours refusé jusqu'à maintenant d'étiqueter de façon spécifique le halal. Et nous consommons du halal sans le savoir, sans connaître les risques que nous encourons sur le plan sanitaire, notamment les enfants et les personnes âgées ou immunodéprimées. Et également, nous finançons un culte à notre insu, puisque la certification halal qui est donnée par trois mosquées, la mosquée d'Evry, de Paris et de Lyon, rapporte 15 centimes du kilo à ces mosquées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le recteur de la mosquée de Lyon, le Kamel Kaptan. Hein, donc je n'invente rien, et il y a ensuite une tromperie sur la marchandise, il y a une discrimination aussi à l'embauche, puisque seul un musulman peut abattre halal. Donc ça écarte de cette pratique tous ceux qui ne seraient pas musulmans. Eh bien, nous proposons d'abord une solution de bon sens, qui a toujours été refusé par les dirigeants politiques, à savoir qu'il y ait un étiquetage spécifique de la viande qui a été abattue de manière halal. Ça, c'est le premier point, le premier stade. Mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons que l'abattage halal soit interdit pour des raisons de protection animale et de protection sanitaire du consommateur, comme l'ont fait des pays comme la Suisse, le Danemark ou la Norvège. Donc, quand on voit ces animaux qui sont si touchants, on a envie de leur donner une mort qui soit digne d'eux, même si on doit les consommer pour notre santé, mais il est nécessaire qu'on les respecte.